Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Nous sommes Mbouye, je suis un jeune photographe. Je suis venu avec une nouvelle vidéo pour nous. Côté que je viens avec quelques conseils pour nous, mais qui viennent pour acheter caméra, parce que avec nous avancer. So, sur cette plateforme, ça nous parle de motivation, nous parle de comment faire combattre le téléphone, comment vous faire belles photos, comment vous faire belles vidéos. Tout. So, c'est le contenu ça que nous parlons sur la plateforme. Ça. So, aujourd'hui, j'aime dire nous venir avec quelques conseils pour nous parler de où qui viennent pour acheter caméra. Conseil sur embrasser avec d'eau, sur la principe, n'a pas tourné. Merci parce que vous avez regardé la vidéo, ça fait me content un peu, ou même qui prend le temps, prend le soin pour toujours abonner avec nous, pour toujours like, ça fait me content un peu parce que les gens qui continuent à abonner avec nous et bien des abonnés, ou même vous sont fans fidèles, je vous remercie un peu, ça fait me content. Chaque nouveau abonné, je vais monter, je vais continuer, c'est vous-même qui avez regardé la vidéo, ça qui partage, je vous remercie un peu. Parce que fait nous arriver plus loin. So, premier conseil m'a ben nous qui c'est persévérance. So, dans toute soirée fait vient faut qu'on croit. So, sou pas croit pas gagner qu'à faire. C'est vous persévérer n'importe quoi besoin ou qu'à réaliser. So, ou quand on domaine et pour devenir un photographe demain, ou pas quoi stratégie pour employer. So, du moment qu'on gagne une stratégie ou qu'à économiser cob pour acheter une caméra, so croit dans ce va l'acheter comme si que croit dans but. Ça veut dire que sou pas croit ba bon menti que pas j'aime gagner qu'à réaliser n'importe soir n'importe mon a fait dans monde là c'est mal quoi là dedans. So si je dis que nous ca gagner pour l'électrique nous ca gagner une caméra professionnelle c'est un humain par nous qui était quoi là dedans qui fait que l'était fait pour je dis en carrésil nous. So ou même qui vient pour une photographe premier conseil là qui c'est persévérance. So deuxième conseil m'a porter pour nous je dis qui c'est faire recherche sur caméra pour l'acheter pour qu'on est point fort point faible. Ça veut dire que lors faire recherche sur caméra ou monter sur Google ou taper non caméra pour remen soit les Canon soit les Sony Canon so ou bien modèle ou connait pour remen ou taper sur Google soit y a bonne information sur des so pas acheter ton caméra parce que ouais Intel a utilisé son pas connait so ka fin acheter caméra et puis d'un coup ou elle gagne problème dans monde ça veut dire que faut pour faire recherche sur des pour acheter une caméra professionnelle. So conseil moi pour tout ou même qui gagne pour acheter ton caméra so pas conseil acheter ton caméra qui deuxième mais comme si pour commencer. Je ne conseille pas ça parce que il y a un bagage le nombre d'obturations dans la caméra. Si vous avez utilisé la caméra, par exemple, compte combien de quantité de photos la caméra a été fait. Si vous avez une caméra, vous avez dit que c'est bon, vous avez acheté, vous avez pas solide, vous avez acheté un lot. Si vous pas acheté la caméra pour un deuxième appareil électronique, même pas acheté un deuxième. Parce que les gens qui ont vendu, ils connaissent un problème. Ils ne peuvent pas s'en servir, ils ne peuvent pas dire que et même tel problème n'est pas pour acheter le même. Ça veut dire que je conseille. Acheter une caméra neuf, monter sur Amazon, monter sur eBay pour acheter une caméra. Je vous conseille de nous acheter sur Alibaba parce que même pour un coup là déjà, nous avons acheté une belle Jacob. Je vous conseille de nous acheter sur Amazon parce que c'est celui que nous avons acheté, nous avons toujours joué ensemble à acheter. So, troisième conseil, qui c'est faire budget. Faire budget comme si le budget utilisé et penser que c'est bon pour vous. Ça veut dire qu'au fond, on a un budget ou bien comme si soit le $400, soit le $500. Ou budgétiser pour dire que m'a besoin telle caméra pour commencer. Sur la prochaine vidéo, je m'a besoin que qui caméra ou qu'a commencer dans le domaine photographie. So m'a plus parlé pour Canon parce que c'est gamme Canon que m'utiliser, m'a utiliser gamme Nikon de top. So on commence avec un Nikon 3200, so pas pour moi c'était pour 11 ans même. So pas trop connait, but après ça m'a commencé à T6, nous sommes dans T6, m'a passé dans 6D. So on pense que c'est deux gammes ça m'a parler nous que point fort avec point faible. So, je viens jouer ça avec vidéo, ça me pour vous, même qui vient pour acheter caméra, ce conseil pour vous, et garder vidéo pour comprendre, pour entendre qui c'est persévérance, faire recherche sur caméra, et puis, conseil, troisième conseil, qui c'est budgétiser. So, pas acheter caméra dans la tête. So, même qui vient pour aller à l'école, ça c'est un bonus dans le conseil, pas à l'école sans que vous n'ayez pas caméra dans le monde. So, soit à l'école, moun n'a pas, et institution n'a pas besoin de dire comme ça qu'il faut venir en caméra professionnelle parce que c'est comme vous avez besoin de faire. Conseil pour nous, pas à l'école sans bagage matériel. Parce que là à l'école, on va faire pratique avec la caméra à l'école, on ne peut pas laver la caméra. So, comme ça, on va dépenser pour l'école, quand n'importe 4 000 ou 5 000 globaliser pour année, ou apporter des caméras sur acheter une caméra professionnelle. So, conseil pour nous, pas à l'école sans caméra. Ou même quand l'école sans caméra, que Dieu m'a dit, on va payer sa cash. Le fin avril, nous faisons 3 mois, 4 mois de formation. On y a là que vous avez tout document dans mon ou pas une caméra qui doit faire une sur marché parce que c'est sur marché là ou pour prendre expérience. Ça veut dire que ou même qui t'a aimé venir un photographe fait tout plaisir j'aime dire persévérer. Vous connaissez que c'est
$200 ka mete yon kote, $300 ka mete yon kote pou yon kote pou soufri pou achete yon kamera, soufri pou li pou ka achete yon demen. So sa e di ke ou menm ki gen pou al l'ekol, pa ale l'ekol san materyel ou, paske ou ap peye sa kash. So mersi anpil paske gade video ou, ben se ke la pe important pou ou, e toujou abone, toujou like avek nou, so pou nou ka arrive pi nou, pou komunite ak a grandi. So mersi, an la prochen pou yon nouvo video. Peace!